Salut les petits potes. Bonjour. Salut les petits potes. Je suis avec Clélio et Lorena, que vous avez dû entendre en arrière-plan. Bonjour. Bonjour. Bonjour dans le micro encore une fois. Bonjour les petits bonjour. Potes. Bonjour. Les petits potes. Les petits potes. LOL. MDR. Ou KLM. Donc nous sommes sur le jeu Diablo 3, PS4, que mon frère m'a offert aujourd'hui justement. Donc on va en profiter pour retourner tout ça. Et donc... pour faire le platine principalement, hein. On va se concentrer là-dessus, n'est-ce pas? Et donc on va commencer à faire avec un féticheur, parce qu'on va monter toutes les classes, level 70, plus une classe en hardcore, au choix, on verra bien. Hein. On verra bien, je sais plus c'est quoi que j'avais pris sur mon compte PC, c'était peut-être un féticheur je crois. Ouais, c'était un féticheur. Donc on montera sûrement un féticheur hardcore, plus les différents... trophée. Voilà, on va commencer. Donc, on crée un féticheur. On va prendre un homme en version normale. Ok, on est bon, accepté. On va lui mettre un petit nom propre. On va l'appeler BR. Voilà. Hop, et voilà, et ça commence. Donc, paramètres de partie. Moi, oh non! Faut qu'on commence le finisse le mode campagne avant d'avoir le mode aventure. Oh. On fera le mode campagne, l'acte 1, on n'a pas le choix. Parce que l'acte 5, quoi, la restauration s'est bloquée, donc on va faire l'acte 1. Moi je voudrais bien le faire en difficile. Est-ce qu'on a le choix? Non. Ah si, voilà. Difficile. Paramètres, voilà, campagne, acte 1, quête, bah, le feu du ciel, on n'a pas le choix, difficulté difficile, ok, on commence. Ça aurait été bien de pouvoir faire le mode aventure parce que ça nous permet de monter plus rapidement. C'est sûr. Ce serait bien qu'on puisse trouver des autres potes pour monter en même temps. Je vous laisse déguster la vidéo, hein, sans que je vous embête. Je voyage plus loin que les jungles de mon enfance. Plus loin que l'imagination. Mon savoir est devenu immense. Les gens, ils pensent que j'ai été banni. Chassé jusqu'à la fin de mes jours. Ils disent que je brave les esprits, mais moi je dis que non. J'accompagne les esprits. Ils m'ont montré à moi seul que là où est le feu du ciel, la fin commence. Ils me disent qu'il faut l'arrêter. Je vis pour servir les esprits, alors je vais où ils me disent d'aller. Personne d'autre que moi ne peut répondre à leur appel. Voilà, donc prise en main. Alors je sais pas comment ça marche que ce jeu. L'air est plein du parfum de la mort. Ok, donc alors, avec le joystick gauche, on bouge comme ça. Avec le droit, on esquive. Et puis avec ça, on est net. Bah, ça tape. Ça loque automatiquement la cible. Ah, excusez-moi, je pensais pas à baisser le son. Voilà. Son. Alors, volume général, on va le mettre à 40. Ça, on s'en fout. Voilà. Voilà. Comme ça, on est bien. On verra si... ça fonctionne. C'est embêtant parce que je connais le jeu par cœur quasiment parce que je suis joueur PC principalement. Ouais, j'ai joué toutes les classes. Hein. J'ai joué. Les esprits me disent. Principalement chasseur de démons. Trouve le berceau de l'étoile qui est tombée. Et donc voilà. Je suis là. C'est 600 heures sur chasseur de démons. Sur la vieille cathédrale. 200 Léa sur barbare. Qui a survécu à l'impact. Moins de 100 heures sur les autres classes. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent.
Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'impact. Pas bien, hein, pour l'instant. C'est pas bien. Ils reviennent partout. Je crois que c'est une visée, c'est un peu déroutant parce que... C'est une visée, là. Oh, level up. Elle est encore ça. C'est une chose comme ça. Oh. Voilà. J'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Bon, allez, dépêchez-vous. Vous trouverez Léa à l'auberge du Bois Égorgé. Tout ce qu'on veut, c'est vite être level 70. Sakaoum est tombé en disgrâce. Hop, c'est bizarre parce que la carte sur la version PC elle est en haut à droite. Et là elle est en bas à droite. Tu es Léa. Le capitaine a dit que tu as survécu à la chute de l'étoile. Par contre, si vous voulez que je tâche les dialogues, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention! Les blessés se transforment! Oh mince, ils se transforment. C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Il y a une maladie profonde ici, mais elle peut être guérie. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres... Pendant de nombreuses années, les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les ruines de la ville maudite Tristram. Mais au fil du temps... Les aventuriers sont arrivés, toujours plus nombreux, pour piller les ruines de la cathédrale. Leurs affaires étaient si florissantes que la nouvelle Tristram s'est développée pour répondre à leurs besoins. Je veux vous aider à tuer les morts, mais comment ? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Bon, je pense que sur les prochaines vidéos, je passerai les commentaires parce que c'est un peu... Ce sacrifice a sauvé leurs semblables. Je vais lui faire honneur. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Moi, ça me laisse temps de boire un petit coup de Lipton. Attaquez-vous aux mères de misère et à leur citron, citron vert. Ce sont qui vous missent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade. Ah non, ce n'est pas un placement de produit. C'est juste que je suis en train de boire ça. Ça peut vous intéresser. C'est bien d'avoir la barre de vie sur les mobs. C'était une des mers de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Je vais voir dans les options. Voilà, options. C'est dans jeu. Vie des monstres, voilà. Point de vie rendu, monte le dégât. Ok. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oups. Allez. Ah, c'est bon comme combo. C'est lissé, c'est chouette. Le système de visée, c'est vrai que au niveau de la visée avec la souris, c'est quand même autre chose. Voilà. On est quoi ? À distance pour pas se faire cramer. Pas se faire repérer par les monstres. Parce que j'ai pas de régime de vie pour l'instant. J'ai pas de niveau par an parce que j'ai pas. On va atteindre la bascule. Ah,
T'as raté. Je suis gâté par les esprits. Bon, c'est particulier, hein, le... Moi, je pense que je vais le temps d'habituer hein, jusqu'au niveau 70 sur toutes les classes. Voilà, une petite pièce. 8 pièces d'or. J'aurai le temps de m'habituer sur la suite. Mais là, c'est vrai que la prise en main n'est pas évidente. On n'a pas l'habitude. Mais on n'a pas beaucoup de temps non plus. Moi, j'aime bien avoir les chiens avec moi. Parce que j'ai mon build déjà qui est tout prêt sur le PC. Donc je pense que sur celui-là, le mieux à faire, c'est d'avoir un build avec les pets. C'est des pets qui sont là parce qu'ils nous rendent de la vie. À un certain temps, ils rendent de la vie. Oups. Ah non. Voilà. C'est quoi cette affaire là? On vide le puits là, et après on va voir au niveau de l'inventaire comment ça se passe. Bon, c'est quand même balèze hein, de jouer à la manette à un jeu comme ça. Parce que sur PC c'est plus évident. Bah juste les boutons de la souris et puis 4 touches du clavier. Moi concernant la potion, bah, elle me sert en touche d'espace. C'est toujours le pouce pour aller dessus. Le PC a pas les skins il me semble. Bon, je m'en suis jamais servi sur plus de 100 heures de jeu. Regardez ce qui c'est ça, petite couloir là, ça fait avancer plus vite. Je pensais vraiment avoir le mode aventure sur les autres classes, enfin, sur le début du jeu. Ça aurait été pas mal. Moi j'aime bien un peu les jeux de farm comme ça, même si c'est un peu répétitif. Moi j'aurais pas à dire que je préfère Bloodborne ou celui-là, c'est des jeux différents. Hein. Mais ceci dit, un peu de farming comme ça, ça fait pas de mal. En plus que c'est juste tuer des mobs en boucle. Hein. Maison en bas. Les gamins ils vont pas bien vite hein. Heureusement hein, parce que dans certains films je sais plus quel film ils couraient. Dans le film il y a plein de zombies là, World War Z. Dans le film là les zombies bah, ils courent. Ah d'accord. Ils courent ultra vite. Ah. Ils sautent même les limites les murs et ils cassent les portes, enfin là c'est sauvage. C'est mort avant. Et de deux, ça n'existe pas. Là, je sais pas où aller. Faut tuer les trois mains de misère. Il est super mon frère, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure, je peux appuyer sur carré pour. Non, je sais pas. Sur quoi, pardon? Ah, un petit gardé là pour changer. Oh, allez, attends, c'est tout un peu, on peut ralentir tout ça. Ouais, c'est ultra gay comme jeu, ouais. Comme le disent les assistants. C'est gay. T'as pas de sang qui gicle. Et en plus, c'est pas très joué 6 fois à l'instant parce que c'est que le début.
le début des jeux est toujours en lien. Oh, j'aime bien la petite... Voilà, excusez-moi pour la petite coupure, hein, comme j'ai pas de boîtier à verre média, enfin les boîtiers d'acquisition, j'enregistre directement depuis la console. Et du coup, bah c'est pas pratique parce que tous les 15 minutes, ça va couper. Donc vous aurez tout le long de ce let's play en route vers le... intitulé en route vers le platine. Et bah vous aurez tout le temps des coupures tous les quarts d'heure. Je vais pas faire autrement parce que j'ai pas le boîtier qui va bien. Donc si ça fait 4 coupures, ça fait une heure. Ouais, mais les deux elles font rarement une heure. Hein. Ouais. C'est-à-dire maximum 45 minutes par vidéo. Ouais. Maximum. Sinon ça peut enlever des gens. Bah oui. Qui dure, ouais, une heure. Ça fait... Oh cool, il y a une vidéo. Mais là le truc c'est que comme on va faire tous les personnages à monter, bah ça va être assez long. Surtout le premier pour... Le premier pour faire le... On va monter le premier personnage de la Super 10. On n'a pas accès à la... au mode aventure. On sait pas. C'est pas extra. Mais on fera avec. Hein. Soyez courageux. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça va pas. Les mers reposent à nouveau. Une compétence active débloquée. Ouais, c'est les chiens en plus. Génial. Hop là, ouais. Ah, ça j'aime bien ça. Ouais. Mais les chiens, j'aurai même un gargantua après. Gargantua. Ouais. C'est un gros méchant. Et là, l'aide en fait des petits pets, alors, si vous avez bien vu, c'est pas négligeable parce qu'il tape bien quand même. De rien. Là je l'aime bien parce que... Parce qu'il m'aide et puis plus tard dans le jeu, je sais pas encore comment on fait pour voir les sorts. Bon il y aura pour voir à quel niveau il y a une bête de sang. Bête suceuse de sang ou je sais plus c'est quoi non exactement. Et nous rendre des points de vie. Ça c'est super important par exemple pour hardcore. Parce que ça me permet de... Bah de récupérer de la vie. Moi sur mon perso hardcore 70 sur le PC, j'ai 900 000 points de vie je crois. En plus t'en as eu 3 pour le prix d'un. La vieille Tristram. La présence maléfique de Diablo flotte encore dans ses ruines. Vous voyez quand même, ça tape bien. Hein. C'est pratique. Ça dynamise un peu tout le truc. On ramasse tout ce qu'on peut. Moi je suis comme ça, moi je ramasse tout. C'est pas choqué. On doit souvent tout ramasser, même la moindre piècette, les blancs, les bleus, les gris, les... Enfin, tout. Tout ce qui passe. Moi je trouve ça important parce que bon, je me dis que c'est de la ressource. Puis comme je faisais sur bois à l'époque, bah, je ramassais tout ce que je pouvais, puis je le revendais à la jeu, je me suis fait. Énormément de PO avec ça, une pièce d'or. Donc pareil, le système avec les petites mains, hein, c'est bien. C'est pas celle-là qu'il faut dans l'aspect, c'est l'autre. Là ça fait un ralentissement, les autres ça fait un petit DPS en plus. Si je ne m'abuse. Ah des bottes. Ouais. J'ai des bottes.
c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais vu qu'il équipe automatiquement les items. Là il le fait plus. Moi je suis une vraie tige concernant l'économisation du truc. Je sais jamais trop quoi prendre. Et en plus les quand ils mettent en place des pièces comme ça, les stats elles sont aléatoires il me semble. Alors, du coup moi je sais jamais prendre. Bon, on vient de là. Alors attendez, ça c'est quoi? Ah oui, c'est les sorts. Oh génial, c'est quoi ça? Pouvoir légendaire actuellement équipé. Ah, il faut trouver le cube canaille. Voilà, niveau 9 on aura un autre truc. On part en haut, ça c'est pas le problème pour l'instant. Parce que on n'a pas, mais il est mignon, c'est pas en haut. C'est vraiment bien foutu, hein, regardez ça. C'est pas pareil sur version PC forcément. J'aime beaucoup. Quête, bon, ça c'est le rappel de la quête. Les compétences. Alors, les compétences pour le petit chien. Ça marche comment? Choisir, voilà, ok. Chien zombie, ok. Par contre, on sait pas pour les runes. On sait pas. On ne dit pas quand les débloquer. Il y a eu du nouveau? Non. Non, un nouveau. Et puis l'inventaire, alors comment ça marche? Alors voilà, l'inventaire. Donc faut choisir l'emplacement. Ensuite, on va prendre ça. Voilà. Bon, ça, on... c'est quoi cette affaire? Ça, 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 on s'en fout. Ça, on a rien. Ça, pour avoir, on s'est déjà pris. Ça, c'est quoi? Voilà. Équiper, c'est bon. Ah, c'est bon, la ceinture, c'est bon. Ouais, donc là on est bon. Ouais, on va appeler ça comme ça. Hop. On retourne à la nouvelle Tristram. Voilà. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Il ne faut pas qu'elle abandonne. Je vais l'aider dans sa quête. Ma force s'attire. Niveau 5. Des piécettes. Un coffre. Donc ça. C'est quoi c'est le coffre? Ça marche comment le machin? Ouais, c'est pour le déposer aussi. Vraiment pas pratique. Hein. Bah, c'est pas pratique du tout. C'est pas grave. Viens, allons chercher ton oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Une fois qu'on aura le les miliciens l'ont verrouillé avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Moi, j'ai envie de regarder un truc par rapport à ça. C'est quoi? C'est quoi cette affaire? C'est... voilà. Oh, faciès du gardien, c'est quoi cette affaire? On va regarder ça. Et ça, on dépose. Hop, hop. Ah non, inventaire, ces trucs là. Voilà, là-dedans. Tac, tac. Confère des plans de transmutation pour les pièces d'armure sur le thème des atours ou des colosses. Génial. On l'a pas encore sauvé l'autre là, ah non. Bon bref, c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas les transmug avant le... au moins avant le... attendez, niveau, je vais ouvrir le portail. 60 et les... Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Est-ce que tu as connu ton papa? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Bref, mais moi, franchement, bah, il fait un peu de dégâts aussi. Une grosse gueule.
Faut dire vers le champ. Regardez, un accès caché. Cet endroit est rempli de puissance. Ta maman cachait ses secrets ici. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Encore du méchant. Trop de violence. Là, ça peut être pas mal sur un truc comme ça, le festive. Le festive, faut pas la faire n'importe quand. Le système de visée est vraiment pas évident. Voilà la clé et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver Oncle Descartes. On dirait qu'elle a une banane sur la tête. Je retrouverai Descartes, Kay. Une peau de banane. Reste ici et étudie les secrets de ta maman. Nous en aurons peut-être besoin. Merci. Aidan est venue me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'elle ne tout engloutisse. Encore une âme qui s'égare. Voilà la cathédrale de Tristram. Non, on fait plus rapide pour finir. On va faire rapide, ça va me prendre au moins 10 heures. Hein. 10 heures de let's play. C'est ici que le feu du ciel est tombé. Une étrange magie. Aller où le vieux? J'ai pas le temps. Je ramasse tout là. Je crois qu'il n'y a pas de pause en plus sur le truc là. On pensait pouvoir confiner les morts ici. À Garat. J'ai même pas à faire de foyer pour me TP. Je suis dans ma merde. Ok. Ouais, sur ce je vais m'absenter donc je vais reprendre la vidéo directement depuis Tristram ou on va se TP vite fait. Donc je me mets là, j'arrête la vidéo puis je la reprendrai aussi vite que possible. Voilà. Bon allez. Excusez-moi pour la coupure, mais revoilà. J'ai dû m'absenter.
Et puis en plus, catastrophe, j'ai cru que j'allais perdre tout ce que j'avais enregistré tout à l'heure, le quart d'heure de vidéo précédent. Parce que comme je suis sur PS4, hein, je peux filmer que quart d'heure par quart d'heure, malheureusement. Mais bon, après, hein, c'est pour vraiment gênant, hein, c'est un coup à prendre. Mais ce qui est embêtant, c'est que si je suis sur un boss ou quelque chose, et bah, j'aurai pas forcément le réflexe de lancer l'enregistrement qui suit. Voilà. Et j'ai aussi pensé à baisser un peu le son. Parce que j'ai remarqué en visionnant les vidéos précédentes que c'était un peu fort. Voilà, donc j'essaie de faire au mieux pour tout le monde. J'essaie surtout de bien articuler quand je parle. Je ne vivais que pour l'honneur de mon sang. Qu'ils puissent me comprendre. Et du coup, bah, comme je suis joueur sur PC principalement, enfin, j'ai beaucoup joué au jeu sur PC, je sais plus trop comment ça se passe, les actes, parce que je les ai fait juste une fois par classe, et puis voilà, et encore, j'ai pas fini toutes les classes. Parce que, bon, une fois c'est bien, mais faire 6 fois c'est un peu exagéré. Hein. Pour monter les autres persos, ce que je ferais, c'est que je passerai par le mode aventure, hein, tout simplement. J'ai un veau, il y a peut-être un gobelin dans le coin, non? Très surprenant. Brancher la batterie juste dans un instant. Ouais, tout de suite. Il faut juste que je trouve le bon câble qui va bien. Il l'attend. Voilà. Non, c'est pas le bon. Alors. Parce que j'ai foutu ce code là. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est ça. J'arrive.
Non, oui, j'ai trouvé le petit câble. C'est bon. Désolé pour l'absence. Il faut vraiment se... Je vais me réhabituer, ça veut dire. En 30 secondes, j'ai perdu l'habitude de jouer. Le système de visée n'est pas... Ouais, il me dérange. Hein. Très dérangeant. Hein. Sinon, je voulais faire quelques trophées aussi au passage en recrutant les différents compagnons. Mais pour le coup, je crois qu'on les a pas encore débloqués. Parce que quand on est pas en mode aventure, ils sont pas tous débloqués automatiquement. Il va falloir faire tout le travail. Sort mélange entre travail et taf. Je suis bloqué. J'étais appliqué par une table. Il me semble que les grenouilles, elles passent par au-dessus des murs comme ça. Ah, les fléchettes, elles... Forcément... Bah ça passe pas, hein. Voilà. C'est des flèches. Voilà. On va libérer le grand-père. Immonde vermine, n'approchez pas. Arrière. Pourvu que ça tienne. Tous souffriront comme j'ai souffert. Garde, rapportez-moi ces ossements. Alors, on va mettre des coups de canne sur les mobs. Vous le voyez au fond, en train de se les battre. Il a peur. C'est quand même mal, hein, le mot blanc, mine de rien. Heureusement, je l'ai déjà réveillé. Voilà. Voyons, passe. Excusez-moi. Hein. Trop long, si. Moi, je vais vite récupérer la pierre de TP. J'ai tenu ma promesse et sauvé Dean, l'oncle de Léa. Il était dans les griffes du roi squelette qui m'empêche encore d'atteindre l'étoile. Oncle Descartes, tu es vivant. C'est grâce à toi et à ton ami. J'ai besoin de ta sagesse. Parle-moi de l'étoile qui est tombée. La prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Ouais. Oh, un trophée en plus, génial. Ça, j'aime bien, ça. Trophée, ça me plaît bien. Jadis, Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo.
Il a perdu ses deux fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. L'Uric devrait être dans les terres informes. Pourtant, il se trouve entre moi et l'étoile tombée du ciel. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Voilà. Comme ça, avec le forgeron, on pourra faire le nécessaire pour Death, qu'on n'a pas besoin. Oh, non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un truc à... Donc, je vais vite faire regarder un truc. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, nouvelle pièce, nouvelle arme. Ça, on s'en fout. Bon, il n'y a rien de bien. L'épée à deux mains, on s'en fout. Ça, c'est équipé. C'est équipé. Ça. Ouais, bon, c'est pas utile. Voilà. Mais ouais, c'est pas utile. Forgeron. Descartes Kane m'a dit que tu pouvais m'aider à retrouver la couronne de Léoric. Non, c'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave, comme tous ceux qui se sont fait mort. Je suis chargé de les abattre, mais comment puis-je tuer ma propre femme? Il faut que ce soit fait, forgeron. Je vais t'aider. Merci. Suivez-moi. Non, j'ai regardé un peu avant la vidéo, tous les trophées qu'il y avait en fait relatifs à ce jeu-là. Et on pourra... en débloquer très grand nombre juste en faisant les ouais, le jeu en mode que vous avez compris hein, en mode normal campagne. Parce que je vous cache pas que ça va être quand même assez long à monter personnage 70 jusqu'au. Je pense au moins 20 vidéos facile. Mira, mon ami. Edrig, elle est violente, hein, elle nous vomit dessus. Voilà. Je n'y serais jamais arrivé sans lui. Je vous suis relevable. Je m'appelle Edrig Eman. J'ai besoin de ton aide, Edrig. Je cherche la couronne du roi Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier. Dans un cimetière au Balkat. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Oui, tu en lui diras. Pas de sous-size. Mais avant ça, on va aller voir pour vider les sacs. Parce qu'on n'a pas de pierre de TP. Et moi, je veux voir aussi la transmogrifier. Voilà. C'est donc ça. Il n'y a pas de nom sur... non. Et du coup, c'est marrant parce que... on avait regardé tout à l'heure. On avait on a reçu un mode de... mode spécial. Ça va au niveau de la transmog là. On avait un truc. On s'en fout.
dans nos sacs. On va voir ce que c'est. C'est pas ça. Ça que c'est. Je suis grand pour mon sac. Ah, c'est là, voilà. Voilà, ici, ici, non, ici. Ah, bah, c'est bon. C'est cool. Fallait juste l'activer comme ça. Transmog, hop. C'est pas ça. Voilà. Oh, ça coûte cher, 50 000. C'était ouf. 50 000, c'est bon, je suis pas assez riche. Par contre, je veux bien aller déceler le reste. C'est le forgeron. Bon, c'est cool d'avoir un petit bonus comme ça, hein. C'est toujours du bien. On s'en fout. Oh, ouais. C'est pas encore débloqué. On est dans les sacs. Oh, j'ai pas de place dans le sac. C'est pas grave. On va s'abstiendre. Par contre, on va s'arrêter bientôt sur l'affaire d'une vidéo de moins d'une heure. On va essayer de finir cette quête là rapidement. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. On va voir ça. C'est une pièce oubliée. C'est par là-bas. C'est le chemin, hein. Simplement. Non, compétence. Non, toujours mais tu rien. Et apparemment, pour viser, il suffit juste de diriger le joystick dans la direction du mob. Il y a un truc qui arrive dans le coin, c'est peut-être un gobelin. Non. C'est bizarre, c'est sur la version du jeu PC. Bah quand ça rigole comme ça, c'est aussi un gobelin. On a aussi un gobelin sous la carte, il me semble. Petite icône bien pratique pour nous montrer que bah dérouler quand même que tu fais la veuglette. Palpitant, n'est-ce pas? J'ai entendu le bruit là, hein. J'ai pas rêvé, hein. Pas fou. Il est où?
C'est encore fait. Il faut le prendre ce bonus là. Ah voilà, il y a un gobelin dans le coin. Je vais pas arriver. Pas qu'il sauve chacun parce que je sais sous. Ça se là. Sauf que j'aime bien ramasser les PO. Allez par là-bas. Voilà. Là c'est encore un peu du bonus là. Allez, il va crever. Plus d'assaut. Comme de par hasard. Il va faire toute la map. Non. Oh, c'est bon, live. Bien joué, Zidra. Je me félicite. Là on sauve, hein, on va plus vite. Parce que la vidéo tourne depuis déjà un certain bout de temps. Et en plus, il me semble qu'on aura le TP. Une fois qu'on aura le... fini la quête. On est au niveau 4 là. Je ne sais même pas si c'est la combienième. C'est bien. Oh, c'est dommage. Au début, on avait joué de la quête. Avec les petites étoiles, c'était bien pratique. Pour savoir où on en est. Du coup concernant les trophées, ce serait bien qu'on puisse faire pendant la campagne, qu'on puisse arriver au moment où on casse 50 objets. Ce serait pas mal. Une fois que c'est fini, tranquille, on sait plus à refaire.
Et j'aimerais bien finir justement le platine sur le... en faisant le 70 en mode hardcore. Ce serait un peu structurel, mais... ça me ferait plaisir. Comme ça j'aurai un double screen, ça serait mon premier platine de PS4. Sauf que je suis beaucoup de bornes avant. Supplémentaire des bruits. Alors là, c'est là-dedans, compétences. Alors là-dedans. C'est quoi cette affaire? On n'a pas le choix. Attendez, il y a un souci là. Il y a un souci. Option. Jeu peut-être. Mode personnalisable, voilà. Ah, parce que ça me plaît pas moi tout ça. Là, c'est dans celui-là, moi je laisse ce que je veux moi. Bah oui, c'est le but. Plus de grenouilles niveau 11. Bon, moi je veux dire, j'aime bien aussi. Il y a aventure niveau 19. Ça aussi c'est bien, Piranhas niveau 61. Puis marche fantôme aussi pour le déplacer plus vite. Ça c'est meilleur, ça comme ça. Mode personnalisable c'est quand même mieux parce que ça bloque pas les compétences à un bouton précis. J'espère au moins qu'il sera là le truc là pour TP. Il va faire les trois. Ah, un gobelin. Je vois, puis en il y a du bleu. Super. Sympa. Ils font mal en plus. Foutez-moi la paix. Je crois qu'on va pas le bloquer. C'est trop mal là. Ouais. Il n'aura pas de façon. Désolé, encore coupure. Pas évident hein, à gérer ces quarts d'heure de vidéo. Ça passe vite quand on est. Il faut vraiment le dernier découpage là. Parce qu'après ça fait trop. Deux figures plus d'une heure, c'est pas. Extra et bah pas de bol, c'était pas ici. Donc on fait vraiment cette 30 là qui a fait
pour aujourd'hui, ce sera bien. Oh non, ouais, on n'a plus qu'une chance sur deux pour avoir le bon donjon. Si on a, soit c'est fait. Pour prendre un double XP. Enfin, pour double XP, mais. Je me comprends. XP bonus. On va essayer de se dépêcher. Hein. C'est par là. Je la sens bien. Peut-être pas. C'est après, ce qui est bien, c'est qu'avec le TP, je peux couper quand je veux la vidéo. Alors que là, si jamais je la coupe, on va se retaper tout ça la prochaine fois. Donc, je vois pas. C'est pas le piton de jouer une campagne. Bien que j'aime bien le jeu, hein. C'est pas le problème. Et bon, je pense aux milliards de gens qui regardent cette vidéo, qui seront pas très chauds pour. Voilà, on est là sur la bonne. Ah, bien joué. Bien joué. La couronne. Il va y avoir un gros monstre là. On va à la porte. Là. Ouais, on va récupérer la couronne, après on aura le TP ou on fout dans le jeu, enfin bref. C'est le TP qui est bientôt. Oh, TP, c'est une espèce de pierre de feu comme World of Warcraft. Même genre. Voilà. On ramasse. Et on passe. Voilà. Là, on ouvre le coffre. On ramasse ce qu'il y a dedans. Tac. Squelette. Ah, ça fleure bon la fin là. Ça fleure bon le TP, j'espère que c'est comme sur la peste, la console, par le PC pardon. S'il n'y a pas de TP, ça craint. Il y en a un, parce que quand on est en mode. L'autre mode, surtout c'est notre campagne, là ce qu'on fait, puis mode aventure, il doit forcément se TP pour rentrer à la maison parce que. Il n'y a pas toujours un. Une merde de TP, enfin une espèce de machin là. Une rune au sol, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un TP aussi, mais c'est pas le même. Allez, 10 minutes. Oh, la couronne, laisse-moi la couronne, oh mince. Crotte de lit. Encore du monde. Je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monde de Léon et dans ce monde. Ils font de la vie. Ils aspirent la vie, méchant. Ah, ils volent. Ils rarent. Ouais, en plus, niveau 10. Génial. Niveau 10, on a du matos en plus. Portail retour en ville. C'est cool. Ok, c'est la flèche de droite. Oh, c'est fantastique ça. Et en plus on a la compétence pour les chiens. Donc on va mettre la compétence des chiens. Hop, tac. Bah non, ouais. Oh, c'est une rune. Voilà, salle de vie. Bon, on va prendre ça pour l'instant, on n'a pas le choix. Voilà. On est retourné, on va au forgeron. On passe, on s'en fout. Allez, tape la couronne. Ah, oui. Et voilà. On était si neuf que pour le nom du roi. J'ai besoin de plus. Nous cherchons. Du coup, je suis ici. Ce qu'on veut, c'est l'artisanat. Voilà. Recycler. Alors, recycle ça. Tac. On va déjà équiper le matos sur notre dos. Donc ça,
on prend ça. Est-ce qu'il y a un autre de meilleur de toute façon? Non. Ensuite, au niveau des gants, on met ça. Mince. Au niveau de l'armure, un meilleur, le casque. On prend ça. On prend ça. C'est pas le choix. Ok. Le meilleur. Le final. Voilà. Et la ceinture qui reste. Parce que pas le choix. Voilà. Comme ça on peut tester tout le reste. Recycler. Il n'y a pas un truc pour recyclage de masse ici, voilà. Voilà, on prend du temps, c'est quand même mieux. Alors on s'en fout, après on tape un peu coquillage, j'ai envie de dire. Formation, on s'en fout. Voilà. On est bien. Voilà, bah du coup je vais vous laisser là. Hein. Sur ces bonnes paroles. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Si c'est pas déjà fait. Et je perds mon oreille. Mon oreillette. Un commentaire. Et puis donc j'en mettrai une vidéo soit demain, soit après-demain. Donc je sais pas si je ferai tous les jours, tous les deux jours pour ça. Je vais essayer d'alterner avec Bloodborne aussi pour avancer. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu le courage de regarder jusqu'ici. Hein. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, faut bien aller de l'avant. Hein. Allez, hein. Bisous, bico.